Des fois, la nuit, je regardais le ciel avec mes frères et les étoiles. J'ai dit, eh, ben, un jour, ben, je partirai. C'était la première fois que je prenais l'avion. J'ai quitté mon île à 17 ans et demi. Et à 17 ans et demi, c'est pas facile. Et en arrivant ici, ça a été un choc physique, parce que le froid. Au début, c'était... j'avais peur. Ils rêvaient d'aventure et d'un monde plus vaste. Ils ont quitté leur famille et leurs îles de Wallis et Futuna, les plus lointaines des terres françaises, pour rejoindre la métropole. L'armée a longtemps constitué l'unique débouché pour ces hommes au physique de colosse venus des îles du Pacifique. Derrière les gaillards, il y a une âme et un cœur très sensible. Ils ont beaucoup de peine de quitter le pays, mais qu'ils ne le montrent jamais parce que ce qu'on appelle chez nous, foiloto, c'est-à-dire qu'on a une fierté. Une fierté d'homme. On va chercher au plus profond de soi-même pour essayer d'avancer. On ne montrera jamais notre mal-être. Parce que c'est pas coutume chez nous. C'est une communauté discrète, une diaspora méconnue, issue des derniers royaumes de la République. 5000 Wallisiens et Futuniens vivent aujourd'hui en métropole, la moitié de la population totale de l'archipel située à 20 000 km en plein Pacifique. Pour devenir soldat, mais maintenant également pour faire des études, percer dans le sport ou parfois simplement trouver un travail, les Wallisiens et les Futuniens ont dû partir. Traverser la planète. Mais comment trouver ses marques quand on vient d'un territoire où la coutume et la religion sont les piliers de la vie quotidienne? Comment lutter contre le mal du pays, s'intégrer sans perdre son identité? Comment enfin vivre le paradoxe d'un exil dans son propre pays? Repos. Ce jour-là, c'est l'adjudant-chef Alexandre Filimoéala qui accueille ses soldats du bout du monde. Il était l'un des premiers, dans les années 70, à avoir osé le grand voyage depuis Wallis, son île natale. Je me revois il y a déjà une quarantaine d'années, quand j'étais tout jeune, débarquant en France, en cherchant mes repères. Le choc de culture, le choc de l'éloignement. Chaque jour, j'y pense. Pour lutter contre le mal du pays et souder ses hommes, l'adjudant Filimoéala a créé il y a 14 ans une formation unique au monde, le 15 du Pacifique. Une équipe de rugby militaire composée de Tahitiens, de Kanaks, mais surtout de Wallisiens ou de Futuniens. Leur histoire commune, celle de l'exil, est racontée dans leur champ de ralliement, le haka des îles françaises du Pacifique. Et t'as envie de faire.
Rasez-vous. On ne bouge plus, on ne bouge plus. On ne bouge plus. Au 15 du Pacifique, on se serre d'autant plus fort qu'on se voit rarement. Les membres de cette équipe de soldats vivent séparés, chacun dans sa garnison. Deux fois par an, un stage les réunit dans le sud-ouest, une semaine, pour montrer qu'on mérite sa place dans le groupe. Tout est question de technique. Vous pouvez être gaillard, vous pouvez être grand, vous pouvez être le meilleur physiquement. Si techniquement vous n'avez pas ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'arrivez pas. C'est interdit ou... L'adjudant-chef Mafutuna, parachutiste, est l'entraîneur de cette sélection. Ancien joueur du Stade toulousain venu de Wallis, il connaît bien la rage de vaincre de ceux qui partent de très loin. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on arrive de notre petite île. On se retrouve seul. On n'a plus la famille, on n'a plus les cousins, les frères, les parents et tout ça. Là où on avait l'habitude de se réconforter. On fait abstraction de tout ça et on se dit, bon, j'arrive quand même de 20 000 km et ça fait un petit déclic. Donc c'est ça qui fait le plus. C'est-à-dire que, comme on dit, l'esprit guerrier. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir beaucoup de joueurs de Wallis et Futuna qui intègrent l'équipe de France. Puis derrière, ça roule. Creuse le dos, creuse. Voilà, on ne bouge plus. Ok, relâche. Super. Et... Wallisien né en Calédonie, le caporal Falema Tadjia a rejoint la métropole il y a 8 ans, tout juste majeur. L'armée et le rugby lui ont permis d'y trouver ses marques, de se rassurer loin des siens. Le côté militaire, en fait, c'est ce qu'on vit dans la famille. On a des hiérarchies à respecter, notre place et tout. Donc du coup, quand je suis arrivé... à l'armée, au régiment, je savais très bien comment ça se passait déjà. Alors il dit, des fois, c'est 15 temps de jeu. Et le rugby, oui, c'est pareil, ça a les mêmes valeurs. Le côté cohésion, le côté famille, et le fait d'être venu ici en France, d'avoir connu le 15 du Pacifique, ces valeurs-là, ça se renforce, ça revient et ça continue. Merci, on applaudit les joueurs du 48. Merci pour votre participation. Allez, vous êtes les bienvenus. Ça marche? Donc là, vous n'allez pas vous doucher, hein, vous allez directement pour la répétition. C'est derrière, vous allez faire le raca, les danses et tout ça. Comme à Futuna, les valeurs passent aussi par la coutume, la culture, la danse. Le temps d'un stage, ces soldats français retrouvent leur code, leur identité, le droit d'assumer leurs différences. Nous, quand on arrive de nos outre-mer, nous, on a une mentalité, un mode de vie, un mode de fonctionnement. Mais t'arrives en métropole, on t'impose un système. Nous, on a un système qui impose à celui qui arrive de s'intégrer et donc systématiquement être métropolisé, quoi. De s'adapter. Voilà, il faut un certain temps. Hein. C'est pas évident. C'est pas évident. Société stéréotypée, c'est comme ça. Oui. T'arrives, il faut que tu sois. T'as vu les premiers jours où tu arrives là. Et tu sais, quand tu dis là pour discuter, tu tutoies les gens. Alors que le mec, tu te dis, parce qu'il est gradé. Donc lui, déjà, il est choqué. Et toi, ça te choque pas, mais il est choqué. Ça te choque pas, parce que... C'est-à-dire, attends, nous, on n'a pas été élevés en même temps, mais toi, tu dis, attends, moi, je tutoie parce que je te respecte, mais... Voilà. C'est pour ça qu'il faudrait faire comme les Anglais. Il n'y a pas de mouvement, puisque c'est le même truc. Bah, oui, exactement. C'est la langue française. Voilà. On va accuser la langue française. Oui, mais c'est la langue française qui impose, effectivement, de distinguer les gens par catégorie, quoi. Tu vois, c'est... Et nous, là-dedans, on est encore plus perdus. Voilà. Allez.
pour comprendre le chemin parcouru par ces Français qui se sentent étrangers dans leur propre pays, il faut faire le voyage jusque dans leurs îles d'origine et remonter au début des années 60. Isolés en plein Pacifique, les royaumes catholiques de Wallis et Futuna réclament à la surprise générale la protection de la France. Ce roi en veston qui nous accueille aujourd'hui à son conseil des ministres se fait Harakiri. C'est le roi de Wallis. Son chêne de Saint-Louis est un baobab. Il dépose volontairement sa couronne pour devenir simple citoyen français. Il a demandé lui-même à ce que son royaume devienne territoire d'outre-mer d'une république distante de 22 000 km. Ses sujets l'ont approuvé par référendum à l'unanimité. Pouvez-vous crier « Vive la République » lui avons-nous demandé. Il s'est excusé. D'abord, il ne parle pas le français. Ensuite, le mot « République » n'existe pas en wallisien. À cette époque, partout sur la planète, les territoires demandent leur indépendance. La décision de ces îles du bout du monde de se rattacher à la République est perçue par les reporters goguenards comme une anomalie. Tout y est si différent. Pour le code de Wallis, c'est le code du péché dérivé directement du catéchisme. C'est exact, aussi un des chapitres les plus importants concerne les choses de l'Église. D'ailleurs, jusqu'à ces dernières années, le délit le plus fréquent, et celui qui était évidemment le plus puni, c'était de manquer la messe le dimanche matin. Ça coûtait quoi de manquer la messe? Ça coûtait à Jean Bonneau. Ça, ça me paraît très logique alors. Bah, moi aussi, oui. Le Jean Bonneau n'est plus l'unité de mesure à Wallis et Futuna, mais l'église et la coutume régissent toujours la vie des habitants. Il n'y a presque pas d'entreprise, aucun moyen de faire des études supérieures et le tourisme est balbutiant. La jeunesse wallisienne des années 60 rêvait d'un ailleurs. Aujourd'hui, elle ne se contente plus de rêver. Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes à choisir l'exil. Là-bas, on portait tout le temps des claquettes ou on marchait pieds nus, comme il faisait très chaud là-bas. Et là, ça a changé. Ben. On part plus en claquettes à l'école. Au début, quand je partais en cours, je mettais au moins deux blousons, parce que comme il faisait très froid. La question, donc, avec plus de 7 milliards d'habitants dans le monde, est-ce qu'il y a assez de nourriture pour tout le monde aujourd'hui ? Fallet avait 12 ans à peine et une scolarité chaotique quand il a quitté Futuna pour intégrer un sport-études dans ce collège breton. Un an et demi plus tard, c'est un élève comme les autres, mais qui vit à deux jours d'avion de sa famille. Fallet vient d'une île qui n'existe même pas dans ses manuels scolaires. Attends, la localisation de la Chine se trouve à la... Alors, au c'est milieu. Quel continent ? Bah, là, c'est l'Afrique, là, c'est l'Amérique, et là, c'est... Ça fallait, tu sais quel est le continent, ici ? Dans l'Océanie. L'Océanie, donc l'Océanie, l'Afrique, l'Amérique, l'Europe. Oui, vas-y. Ah oui, l'Asie. Voilà, donc voilà, vous avez localisé au niveau, en fait, de l'Asie, la Chine. Et à l'est de l'Asie. Voilà. On va pas Futuna. Elle est coupée, qui s'arrête à l'Australie. Et c'est tout petit, c'est trop loin. T'es venu du coup de là jusqu'à là? Oui. T'as fait combien d'années d'avion? Une journée. Une journée et demie. Et en heure, t'as fait combien d'heures? Non, 42 heures. Non, 48 heures. 48 heures, c'est une journée. Et 36... Oui, mais 48 heures, voilà. c'est deux jours. Tu peux chercher ta question. C'était long ou pas, là, attends? C'était long le voyage? Très long. Comme Fallet, trois autres adolescents ont quitté Futuna l'an passé pour rejoindre Nbon dans le Morbihan et s'offrir une chance d'avenir. Pour Jérémy, Orlando, Sissoko et Fallet, cet avenir passera peut-être par le ping-pong. Alors, donc, ça va être pour ce week-end, ça va être un tournoi national.
donc, qui est intéressant en termes de tableau et aussi en termes de niveau. Parce que là, du coup, on va sur la région parisienne, mais c'est vrai que le niveau est sûrement un petit peu plus fort qu'en Bretagne. Je voulais pas faire du ping-pong, je voulais faire du rugby. Et après, mes parents m'ont dit de ne pas faire parce que pour éviter de me blesser. Allez, c'est parti! Mon rêve, c'est d'être dans les 1000 meilleurs Français. Allez, Orlando, là! Oubliez tes jambes ou quoi, là? Allez, hein! Faut que tu penses aussi toujours, tu touches la balle et tu penses à la reprise d'appui, d'accord? Comme ça, ça va te permettre aussi après de t'ajuster par rapport à la balle. Parce que si tu poses les talons, après, pour t'ajuster, tu peux pas. Tu peux pas réagir aussi vite sur les pieds, ok? Allez! Allez, changez de diagonale! À Futuna, le ping-pong se développe tout doucement, mais il n'y a pas de sport-études, pas même de lycée. Le choix de la métropole, c'est un sacrifice financier pour les familles et une pression bien plus grande pour ces enfants-là que pour n'importe quel autre adolescent du club. Il y a toujours un moment où tu te crispes. À chaque fois que tu prépares ton mouvement, tu dois relâcher. Tu fais une touche, t'es bien, une deuxième, t'es bien, et celle-là, hop, tu contrôles. Relâche bien, je serre, d'accord? Allez, essaye. Ouais, c'est ça, fallait. Allez, allez, encourage-toi, fallait. Voilà, là, c'est bien. Allez. Ouais, bien. Allez, encore, encore. Allez, les gars. Pourquoi tu t'énervais comme ça? Quand je perds des points, je m'énerve. Est-ce que tu t'énerves à l'école, des fois? C'est un résultat où... S'il y a quelqu'un qui m'embête, c'est... Ouais, d'accord. Ça, s'il y a quelqu'un qui t'embête, mais... Sur tes résultats, bah, tu vois, par exemple, l'année dernière, au niveau scolaire, ça n'a pas été facile. Voilà. Cette année, quand même, on a vu au conseil de classe du premier trimestre, il y a eu quand même des bonnes choses. Les profs, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont félicité, ils m'ont dit de continuer. Bah voilà. Le mal du pays, ça va? C'est... Ouais. C'est vrai que comment? C'est quand tu es... Je suis tout seul, quoi. Quand tu es tout seul, ouais. Ouais. Mais quand je suis avec les autres, c'est bon. C'est tout à fait normal, donc faut pas que tu hésites aussi à nous en parler, hein. Je mets de la pression pour plusieurs raisons, c'est-à-dire qu'ils viennent de loin. Donc après, une fois ici, c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été facile, c'est au niveau du collège. Donc le fait qu'au niveau de la langue, on parle uniquement français, forcément, ici. Et je pense que c'est des enfants aussi qui sont perfectionnistes, ils veulent vraiment bien faire, quoi. Pour eux, mais aussi pour leur famille là-bas. C'est aussi des enfants qui grandissent plus vite, quoi. Oui, c'est dur pour moi de se dire que je n'ai pas le droit de rater. Parce que l'année prochaine, je compte rester ici jusqu'au bac pour être entraîneur ou continuer le tennis de table jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui se passe si tu rates? Si je rate, ben... J'aimerais pas rater, ouais. Fixé par la charte. J'ai rêvé que j'étais à Futuna et j'étais en train de jouer à la route avec mes potes. Nous, la nuit, on courait partout, on jouait jusqu'à au moins minuit, une heure. Mais ici, il n'y a personne qui traîne vers minuit dehors. C'est calme. Il n'y a pas d'ambiance dehors. Comment tu fais quand t'es un petit peu triste, quand tes parents te manquent? Je regarde des photos de... de la mère, de tout, quoi. Elle, c'est ma sœur. Les deux, c'est la plus grande et
Elle, c'est l'avant-dernier. Et moi, je suis le dernier. Ou elle, c'est ma mère. Là, c'est mon père qui danse. Colola 22h31. Quand je suis arrivé en métropole, c'était tout le temps, quoi. C'était le soir sous la couette, là, c'est les larmes écoulent. Quand je recevais le courrier, la voix de ma maman et de mon papa résonnait, quoi. Alors, voilà, quoi. On sanglotait au lit, quoi. Mais aujourd'hui, ça va mieux, quoi. Ça va. Tamea a quitté Wallis il y a 35 ans pour faire son service militaire. Il n'y a plus jamais vécu depuis. Il est désormais installé en Corrèze où il a monté sa petite entreprise funéraire. Je fais tout ce qui est travaux au cimetière. De l'entretien de la tombe, du monument. Je crée des monuments en granit. Je t'envoie, t'en fais. Fais gaffe. Et je fais du fossoyage aussi. Je pose. Passe les doigts. On m'appelle un peu partout. Le coin, ouais. Maintenant, je connais un peu parce que ça fait quand même 12 ans que je roule. Ouais. Je suis bien, je travaille avec mon neveu. On travaille en famille un peu. Et voilà, que demande le peuple. Tu as vu l'Angleterre, rien. Mais ils ont fait quoi? Ils ont perdu quand plus la Londres? Non, non, ils ont gagné. 17 à 5. C'est un match, c'est en Irlande, je crois, ou ici? C'est en Irlande? Ce que Tamea préfère, c'est embellir les tombes. Mets-moi au milieu, comme ça. Aujourd'hui, c'est le toit en plastique d'un caveau qu'il doit remplacer par un toit en granit. C'est compliqué parce que c'est en hauteur. Là, une plaque là, c'est 450 kg. Ça fait deux, ça fait 900, quoi. Poser dessus le monument, quoi. C'est lourd, il faut le bouger, quoi. Ouais. On peut poser, on le bougera à la main. Bon, passons les doigts. Les gens nés ici ne se battent pas pour travailler dans les cimetières. Tamea, lui, se sent utile. Il y est heureux, même si certaines pratiques métropolitaines heurtent un peu sa culture d'origine. Allez, on mange l'eau.
qui m'a choqué, c'est les réductions. Parce que, en fait, quand il y a un caveau qui est plein, on réduit nos ancêtres pour faire la place à ceux qui viennent. Mmh. Alors que c'est les ancêtres, sûrement, qui ont bâti le monument, quoi. Le temps, c'est l'argent. Au lieu d'acheter un autre bout de terrain et refaire un autre caveau, mais non, on fait la place pour rester là, quoi. C'est comme si, dans la vie, tu vois, on est dans une maison, trois chambres, et il n'y a plus de place, et on dit à papy, bon, mais tu vas habiter derrière, au fond du jardin, tu vois. C'est un peu ça, quoi, gros. Alors que c'est à papy la maison, quoi. C'est un peu ça. Mais ça dépend des familles, quoi. Chez nous, on voit les cela. Mais on ne fait pas des réductions. Mais après, voilà, on n'est pas chez nous. C'est ça. Ah non, mais c'est bien. On va nettoyer les joints. Et après, on attaque la pause. Voilà, ouais. Mais t'as vu, le granit, on est arrivé à trouver le même nuance. Hein. Je sais pas si t'as vu les plaques et le monument, c'est... Oui, c'est joli. Allez, c'est parti. Ça fait partie du respect. Quand on part du chantier, il faut que c'est propre, comme à la maison, quoi. Et quand j'ai bien travaillé, je suis content de moi. Et peut-être aussi une façon de communiquer avec mes proches qui sont partis. Alors ça, c'est mon père. Ça se lit Kalepo Liongi. Polikapo Liongi. Et ma maman, Peata Tolifili. C'est mes parents, quoi. Ils sont déjà partis. Et qui me manque. On peut pas tout avoir, en fait. S'exiler et avoir ta famille proche tout le temps. C'est obligatoirement, il y a un manque. C'est fin de journée, t'as bien travaillé. Voilà. Amen. Salut. Tu vois, je suis content là, Topo. J'ai bien travaillé. C'est pas un chantier, pas un petit chantier, ça. Tamea est aujourd'hui fier de son parcours, mais il revient de loin. Après son service militaire en métropole, il a connu à Paris la descente aux enfers, l'exclusion, la rue. Bien loin de l'Eldorado qu'il avait imaginé depuis Wallis. Quand j'étais chez moi, je connaissais Paris, enfin, à travers la télé. Je voyais tout est beau, tout est magnifique. C'était mieux que chez moi, quoi. Quand je suis arrivé ici, tu vois autre chose. La réalité, je l'ai vécu. Parce que t'as plus rien, tu te retrouves avec ton sac. Avec ton sac dehors, et puis voilà, tu sais plus où tu vas, parce que à peine que je parle pour chercher du travail, non, on cherche personne. Voilà, tu te dis, c'est peut-être la couleur, je ne sais pas, mais après on ressent beaucoup de choses. Mes parents ont souffert. Pas de nouvelles, rien du tout. Rien du tout. Parce que t'es pas fier. C'est la main tendue d'autres Wallisiens qui lui a permis de sortir de la rue et de trouver du travail. Il a été agent de sécurité pendant 18 ans. Aujourd'hui divorcé, père de trois enfants, Tamea a reconstruit sa vie dans ce petit coin de Corrèze. Faut préparer l'avenir. L'avenir, c'est la mort. Ben voilà, au début, je me voyais encore repartir chez moi, à côté de mes parents.
Mais j'ai posé la question, maintenant j'ai des enfants. Et ils m'ont demandé, non, tu es là, t'es notre papa, tu restes ici. D'accord. Donc je reste là. J'étais acheté un bout de terrain, en bas, au cimetière de Malemort. Donc voilà, je finirai là. Wallis, comme Futuna, comme la Nouvelle-Calédonie, même, ce sont des très petits territoires. Donc tout le monde se connaît et on prend beaucoup en compte les avis des uns et des autres parce qu'il y a cette promiscuité entre nous. Alors qu'ici, on se sent beaucoup plus libre. À 26 ans, Touamanaya s'est affranchie du regard de sa communauté. La jeune femme travaille à Paris dans les relations internationales et s'est forgée une carapace pour construire sa vie aux antipodes. Je crois qu'on ne peut pas faire plus lointain comme exil. C'est un exil peut-être douloureux, mais nécessaire. Je refuse de trop y penser. J'ai eu le mal du pays. Plusieurs moments de ma vie, mais je n'aurais pas osé retourner vers ma famille ou les appeler pour leur en parler parce qu'ils seraient peut-être sentis coupables de m'avoir envoyé dans ce monde-là, à cet âge-là. Donc j'ai préféré garder ça pour moi et puis faire avec. Touamanaya est arrivée l'année de sa terminale en métropole. 5 ans plus tard, elle était la première Wallisienne à intégrer Sciences Po. On part de plus loin que les gens d'ici. Donc la qualité de l'école n'est pas la même. On n'a aucune librairie ou bibliothèque, par exemple. Et l'isolement aussi fait qu'on est obligé de faire plus de sacrifices parce qu'on doit quitter nos familles et se retrouver dans un nouveau monde où voilà, il faut se faire sa place. Cet homme a réussi à se hisser vers le haut. Et en même temps, quand on voit le gouffre qu'il y a derrière lui, on se dit que la chute lui sera fatale. Donc on peut imaginer qu'il a gravi cette échelle avec la peur de la chute, la peur d'échouer. J'ai toujours peur de l'échec. J'ai intégré Sciences Po, par exemple. Je savais que j'étais la première Wallisienne à y être admise. Mais il y a eu tellement de moments pendant ma scolarité là-bas où j'ai pensé que c'était vraiment trop difficile et que j'allais vraiment pas y arriver. C'était trop. Pas seulement dans le niveau, mais aussi dans la charge de travail, seule. Je me suis sentie submergée à certains moments. Et c'est là où j'ai vraiment eu peur d'être obligée de renoncer. Et cette peur de l'échec qui est toujours là, elle est présente, mais je ne vais pas la montrer. À Paris, Touamanaya a gagné l'indépendance dont elle rêvait. Mais auprès de ses collègues de travail, elle s'étonne encore d'être ramenée sans cesse à ses origines. Il est resté 3 mois. Merci. Il est resté 3 mois, il est en stagiaire, il a une pluie. Non. Et du coup, tu te sens plus wallisienne ou parisienne quand tu es à Paris? Ah non, quand on est à Paris, on est parisienne. On est à Paris. Là, en fait, je ne suis pas née en France,
Mais depuis que je suis là, je... Là où je me trouve, je m'adapte par rapport à ce que je vois. Tu sais, ce qui est bizarre, c'était quand je croise des gens à l'institut, au travail, ils me parlent en anglais, en fait, parce qu'ils voient bien que je suis pas, manifestement pas blanche. Et puis, ils me parlent en anglais, alors que ça aurait été toi, par exemple, ça aurait été... Enfin, tu vois, ma couleur de peau ne signifie rien dans ma nationalité. Parce qu'on est d'accord que toi, tu parles français. Est-ce que tu trouves pas ça bizarre qu'on continue toujours à demander à une personne d'où est-ce qu'elle vient, alors voilà. qu'on sait très bien qu'il y a des entiers qui sont noirs, voilà. des réunionnais qui sont... Moi, personnellement, ça me choque pas, c'est juste pour par curiosité. Toi, si on te demande « Ah ouais, tu viens d'où ?» et que les gens, tu réponds « Je viens de Wallis », les gens, ils vont savoir « Ah ouais, c'est où ?» Moi, personnellement, quelqu'un me pose cette question, ça me choque pas. Dans ton cas, les gens, ils savent où c'est les entiers, mais encore, quand les gens, ils ont la curiosité de me demander et qu'ils savent pas si Wallis c'est foutu, puis ils osent pas l'avouer, et du coup, voilà, quoi, ça va pas plus loin. Ouais, non, ça c'est gênant. Ouais. Et puis surtout, quand je leur dis ça, les gens, ils ont pas conscience de à quel point c'est différent, quoi. Ils disent juste que c'est la France un peu plus loin. Alors qu'en vrai, il y a tellement de trucs qui sont différents, c'est... Oui. Et toi, tu te sens... Ça se manque pas, en vrai ? On va partir. Préparez vos sacs. Samedi matin en Bretagne. Falé, Jérémy, Orlando et Sissoko se préparent à quitter l'internat pour retrouver un peu de cette ambiance si différente de leur île du bout du monde. Ils passent la plupart des week-ends dans une famille foutounienne installée à 30 km. Ça fait du bien comme... Comme ici à l'internat, on parle pas beaucoup notre langue. Mais quand on est dans notre famille, on parle tout seul notre langue, quoi. C'est parti. Ça va les enfants? Oui. Ça fait mal, oui? La semaine. Hein? 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 Ça fait mal, la semaine. Sossefo a grandi dans une famille de 13 enfants avant de quitter Futuna à sa majorité pour rejoindre la métropole. Là, on sent un peu au pays avec le soleil. Là. Aujourd'hui, il sert de repère aux jeunes Futuniens exilés en Bretagne. Moi, quand je suis arrivé ici en France, j'avais ce mal de pays. Moi, je l'ai vécu quand je partais le lundi matin vers l'internat. J'avais juste un étudiant de la Nouvelle-Calédonie qui était en BTS et nous, on ne se voyait pas beaucoup. Je ne veux pas que ça arrive à ces enfants-là parce que ça, c'est une grosse perturbation et c'est très dur. Ni ce lotissement breton, ni cette météo d'hiver n'évoquent l'ambiance d'une île du Pacifique. Et pourtant, ce matin chez Sossefo, Futuna semble un peu moins loin. La kumaya an alen al papa fusi lagi ekil maniok ala paru mari taton ta kalau muka tak follow tali fait le houmou là nous sommes en train de mettre les aliments dedans parce que comme c'est une cuisson à l'étouffer et là on va recouvrir les aliments par les feuilles de bananier. C'est la cuisson traditionnelle du Pacifique mais employée aussi à Futuna. C'est une affaire d'homme. Parce qu'en fait, les femmes là-bas, ils ne font pas le houmou. En fait, à l'âge de 13 ans, le petit Futunien, il sait déjà comment faire un houmou. C'est vraiment beau, hein, parce que quand on voit les jeunes, parce que c'est surtout les jeunes qui sont vraiment impliqués, et qui ont la patate, quoi, hein, qu'on voit cette entraide qui est presque automatique.
Bah, aujourd'hui, je me sens un peu footonien. Parce que je suis entouré de footoniens et tout. Ça me rassure aussi parce que vivre entouré que de Bretons et tout, ça va, mais à un moment donné, ça me manque aussi le confort de rester avec les footonniers, les Wallisiens. Les cochons vont cuire sous la terre pendant 2 heures, le temps d'une cérémonie religieuse. Et pour les Foutouniens, sujets d'un royaume catholique, la messe, c'est loin d'être une simple formalité. Oui, parce que toi, tu fais un fond de cœur avec... Allez, dépêchez-vous, parce que là, il faut que vous alliez au sacristie pour essayer vos tenues dans fond de cœur à retrouver à l'église, parce que là... Quand je suis arrivé ici en Bretagne, je me suis senti en sécurité. Et la première fois où je me suis vraiment approché des Bretons ici, c'est grâce à la religion. Comme j'étais enfant de cœur et comme moi j'allais souvent à la messe, je suis parti directement là où il y avait le groupe de chant. J'ai pris ma feuille, moi j'ai chanté. Et après la messe, un monsieur qui est venu me voir, il faut qu'on prépare la messe de Noël. Il faut que vous veniez nous accompagner. Et c'est grâce à la religion où je me suis intégré ici en Bretagne. Nous, on apporte beaucoup aussi aux Bretons et aux Français, parce que quand je prends aussi dans les églises, on ramène la joie. À chaque fois, quand on fait des messes, on ramène aussi de la couleur, de la gaieté ici en Bretagne. Alléluia! En Bretagne, où la religion a encore une place importante, où l'identité forge les caractères, les Wallisiens et les Foutouniens ont trouvé la terre d'accueil idéale. C'est l'une des régions de France où la diaspora est la plus nombreuse. Hey, mon chéri. Allez, chacun prend une assiette. Fallait prendre une assiette, mon fils. Au 15 du Pacifique, la dernière soirée de stage est un voyage dans le temps. 40 ans en arrière, dans l'île natale d'Alexandre, le coach wallisien. Pourquoi nous sommes assis? C'est parce que nos anciens nous ont dit, on va chez quelqu'un, on s'abaisse, on prend le temps et on palabre. Aux messes de la caserne d'Agen, la cérémonie coutumière du Kava mobilise tous les hommes. La boisson à base de racines pilées est un symbole de partage et de respect, un pilier de la culture des îles du Pacifique. Le fait d'être au 15, ben ça m'a permis d'aller chercher justement cette force. Le 15, en fait, il nous a permis d'oser. Si on me regarde à la télé ou en faisant ça, mes parents ils seront fiers. Parce que au pays, j'étais vraiment pas comme ça. J'étais le petit sauvage. Là, oui, c'est mon identité. Parce que respecter nos valeurs, ben, ça nous permet justement d'avancer.
dans le côté positif. On retrouve l'essence, on retrouve cette ambiance, on retrouve cette fraternité, on retrouve nos valeurs pour se resituer un petit peu dans le monde où on vit actuellement. Pas perdre notre identité. Le risque de perdre son identité, c'est que, en étant ici en métropole, à entendre, à voir, à écouter ce qui s'y passe, on finit par rentrer dans ce moule, à devenir individualiste, à oublier le sens du partage, à oublier le sens du respect. C'est ça le risque. Et le fait qu'on se retrouve dans la sélection du 15 du Pacifique, entre nous, ça nous permet de remettre en valeur, de se recentrer pour dire voilà, n'oublions pas d'où on vient, n'oublions pas qui nous sommes. La plupart de ces hommes ont leur vie en métropole. Un couple mixte, des enfants. Cette équipe leur permet d'assumer ensemble leur identité. À la veille du départ, aucun d'eux n'a envie de se séparer pour dormir. Surtout pas Michel et Tatino. Pour eux, ces retrouvailles au 15 du Pacifique ont le parfum de leur île natale. Il te rappelle le... Il y a Touri. Oui. Il est encore ce monde aussi. Il est toujours. Et il n'a pas changé, il est toujours la même chose. Parle-moi de la sœur Adèle, là, où on allait chercher les mandarines. Tu te rappelles? Oui, ce fut un temps. Eh oui, oui, voilà. C'était ouais. Bien, là-dedans, on allait ramasser les mandarines. Voilà. Ah, les mandarines. Ça, j'ai un souvenir de tout ça. Pas possible. Parle alors, moi, quoi. C'est émotionnel, quoi. C'est touchant. Oui, quand on va se séparer, je pense que... Tu vas pleurer, hein. On va tous pleurer, voilà. Mais chacun dans notre coin, parce voilà. Que les soirées là, qu'on passe à discuter, on veut pas que tout ça s'arrête, on veut pas. Tant pis si on est fatigué, tant pis. Avec ces histoires-là, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Voilà, au fait, on quitte la métropole, on est parti. Aïe, 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 hein. Ça fait plaisir, franchement. Mal comme ça. Je lave le doigt, c'est une énorme. C'est des bons souvenirs. Ah oui. Des très très bons souvenirs. Parce que là, on va se quitter après. Cette semaine, ça a été dur. J'ai plus de voix. Bon retour, hein, et puis fais attention à toi. Salut, au revoir. Merci pour tout, merci pour la semaine. Et à bientôt. Hein. Oui. Ah. Très bien. C'est très bien. Super semaine. Falema et les autres vont rentrer dans leur caserne en attendant le prochain stage du 15, comme on attend un rendez-vous régulier merci au pays. Hé, attention sur la route, vous voulez texto. On forme une famille et puis ça passe tellement vite. Mais quand on se quitte un peu à l'océanienne. C'est sincère, c'est très émouvant. Et on se rappelle quand on a quitté notre pays, nos îles. Voilà, je suis un peu le papa de tout ça. Je ne peux être que fier d'eux. Ah, c'est sûr. Voilà, voilà. Amanaya, elle, s'est épanouie dans l'anonymat d'une grande ville. Elle est aujourd'hui prête pour une carrière à l'étranger. Le premier pas sur le chemin de l'exil était le plus difficile. À présent, plus aucune distance ne lui semble insurmontable. Ça fait un long chemin. Maintenant, je me sens
soulagée, je pense, d'avoir fait ce chemin. À partir du moment où on ne prend plus en compte les regards ou les opinions des autres, on est libre de faire beaucoup de choses. En particulier pour une fille. C'est pas l'idéal. Par rapport à hier, on avait un beau temps, mais là, on n'a pas le choix. Dans le sud-ouest, Tamea se bat pour faire tourner sa petite entreprise funéraire. Et si la nostalgie reste à vif, il est aujourd'hui convaincu qu'il a fait le bon choix et que sa place est ici. Regardez cette vue, là. On est bien là. Juste le soleil et puis tout va bien. En direct de Carnac. On a la place. Au revoir. Bisous, bisous, bisous. Wallis et Futuna, vous manquez. Falé et ses copains font partie d'une génération qui sera bientôt plus nombreuse en métropole que dans son île d'origine. L'intégration scolaire, professionnelle, sera sans doute de plus en plus facile. Mais sauront-ils être durablement heureux à 20 000 km de leurs racines ? C'est tout l'enjeu d'un exil aux antipodes.